De retour, Chouchou, sur le plateau de Canal Matin. Il est 7h passé de 2 petites minutes et nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à monsieur Marcel Frédéric Mouquet, qui est le président fondateur de l'association Marc-Vivien Fouet l'Immortel. Il a eu un an de plus le 6 juillet dernier. Nous sommes le 10. Oh là là, combien de jours de retard? 4 jours de retard. Il n'y a pas de retard. Non, non, c'est pas bien grave. Enfin, gens, hein. On l'espère. Marcel Frédéric Mouquet, le président donc fondateur de l'association Marc-Vivien Fouet l'Immortel. Joyeux anniversaire. Alors, à cet instant, précisément, vous le savez, c'est l'heure de la revue de presse. Oui. Et nous allons débarrer ici à Douala avec M. Michael Tipkio qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Michael. Bonjour Thierry. Bonjour, bonjour Michael. Heureuse de vous retrouver. J'adore votre tenue. Merci. Vous êtes dans l'africanité, ça se voit. Alors, on va démarrer avec la nouvelle expression peut-être. Effectivement, on va commencer avec la nouvelle expression qui nous parle encore de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun à la faveur de la clôture de la session de juin du Parlement camerounais hier et de cette déception justement de ces députés du Social Democratic Front qui sont repartis du Parlement hier un tout petit peu mécontents, eux qui espéraient justement voir inscrite à l'ordre du jour ou alors dans un débat en plénière la question dite anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Ce ne fut finalement pas le cas à l'Assemblée nationale et même au Sénat. Ces députés qui sont repartis un tout petit peu sur leur faim et qui ont d'ailleurs à la fin justement proposé des résolutions. Le groupe parlementaire de ce parti politique qui a proposé 7 résolutions au gouvernement pour sortir de cette crise. Le journal évoque ces résolutions ce matin en parlant par exemple du dépôt des armes par toutes les parties, la libération de tous les prisonniers, une amnistie pour toutes les personnes, pour toutes les personnes en détention et pour toutes les personnes touchées justement ou impliquées dans cette crise au Cameroun et dans la diaspora. En outre, l'État a été appelé à envisager d'indemniser toutes les victimes de cette crise après une vaste évaluation de la vie et des biens détruits dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais. Selon le président du groupe parlementaire du SDF, aucune réponse n'est parvenue à la hiérarchie de cette chambre du Parlement après le dépôt de la dite proposition de résolution, un mutisme qui n'est pas surprenant puisque Kavaïgué Djibril est pour le moment manifestement, écrit le journal, contre une inscription de la crise anglophone à l'ordre du jour des sessions ordinaires du Parlement. Pour preuve, les différentes demandes rejetées des députés SDF depuis le début de la crise en 2016. Et en parlant toujours de Kavaïgué Djibril à l'oreillette gauche du quotidien La Nouvelle Expression, il a donc interpellé hier, Kavaïgué Djibril a interpellé le Premier ministre Joseph Diongouté, Paul Atanganji, le ministre de l'administration territoriale pour la gestion des déplacés internes dans notre pays, le président de l'Assemblée nationale qui a assuré que les députés vont suivre la mise en œuvre du plan humanitaire d'urgence pour la région du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il a exigé des collaborateurs du ministre de l'administration territoriale transparence et traçabilité dans les opérations d'aide humanitaire sur le terrain. Outre cette crise dite anglophone, le président de l'Assemblée nationale a poussé un coup de gueule contre la brigade dite anti-Sardina et Patrice Nganan. Toujours par sa voix, justement, les députés ont condamné, dénoncé solennellement avec la dernière énergie les actes de brigandage et antipatriotique perpétrés en Suisse il y a quelques jours par une pseudo-brigade des anti-Sardina. Ce sont les propos du ministre, ou alors, pardon, du président de l'Assemblée nationale. Et la grande une du quotidien La Nouvelle Expression, vous le voyez, nous parle de l'incendie de la Sonara avec ce rapport d'enquête toujours attendu. Le Premier ministre avait créé donc une commission d'enquête, on se souvient, le 11 juin 2019 pour faire la lumière sur l'incendie qui avait dévasté une partie de l'usine de raffinage de cette institution. Les enquêteurs avaient jusqu'à demain jeudi 11 juillet pour rendre une copie qui devra livrer bien de révélations, nous apprend le journal La Nouvelle Expression ce jour. Cette commission présidée par le ministre de l'Énergie et de l'Eau est composée de 14 membres de différentes administrations et devrait adresser au Premier ministre, chef du gouvernement, son rapport d'enquête et le délai expire donc demain jeudi. La Nouvelle Expression nous apprend d'ores et déjà et des sources concordantes que toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette affaire ont déjà été mises en liberté
été provisoires, mais n'auraient pas encore été rétablis dans leurs fonctions ou après leur interpellation avaient été prestement remplacés par des intérimaires. À Batoké, où l'accès à l'entreprise, même au personnel, est particulièrement difficile, aucune information ne filtre pour l'instant sur l'état d'avancement de ce dossier très délicat au sein de l'entreprise. Les oreilles sont largement ouvertes et tendues vers le rapport de cette commission d'enquête, indique une source à la Sonara. Rapport d'enquête qui devrait donc être déposé sur la table du Premier ministre. Et le quotidien Le Messager en parle aussi à son pied de une aujourd'hui. Le Messager qui parle aussi de ce rapport d'enquête qui devrait être déposé sur la table du Premier ministre. La commission Elundu Esomba attendue donc chez le chef du gouvernement après 30 jours d'investigation. Elle rend en principe sa copie aujourd'hui ou alors demain au plus tard, une copie dans laquelle justement on devrait avoir les raisons. Le dit rapport devrait justement indiquer en substance les causes et les conséquences réelles de l'incendie qui a brûlé un pan de la société, un pan justement de la Société nationale de raffinage du Cameroun. Le journal à sa grande une, vous le voyez, nous parle de l'université de Yaoundé 1 avec une affaire, l'affaire qu'on appelle désormais l'affaire Jean Baébec, voyage au cœur des griefs de cet enseignant chevronné. Le journal justement qui revient sur une affaire judiciaire. Depuis le 6 septembre 2018, le tribunal administratif du centre a accordé un sursis à exécution au spécialiste de chirurgie orthopédique qui contestait sa suspension de 4 ans par le chancelier des ordres académiques. Dès lors, cette décision de justice n'a pas été appliquée. L'enseignant émérite est toujours sans salaire depuis lors. Voyage donc au cœur des griefs portés contre cet intellectuel qui défrait la chronique dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel est également en kiosque ce jour et l'œil du Sahel qui parle de la réintégration des ex-combattants de la secte terroriste Boko Haram et l'État qui débloque plus de 70 millions de francs CFA pour ces ex-combattants. L'information a été rendue publique jeudi dernier à Maroua dans les services du gouverneur par le coordinateur national du comité de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Cette visite a conduit Francis Fayengo et sa suite au secteur de la force multinationale mixte basée à Mora où sont logés 117 ex-combattants de Boko Haram et à Méné où sera conduit un centre d'accueil, construit plutôt un centre d'accueil des anciens terroristes et en annonçant publiquement la remise de cette enveloppe de 70 millions de francs CFA pour la prise en charge des repentis de Boko Haram. Francis Fayengo ne se doutait certainement pas du tollé que cette nouvelle allait provoquer justement les remous, certes muets, à la suite de cette annonce qu'ont commencé chez les militaires au secteur numéro 1 de la force multinationale mixte, des militaires qui se sont dit énervés de ce que l'État fait quand il débloque une importante somme d'argent pour nourrir des terroristes qui ont donné des sueurs froides à eux, militaires, et même aux populations. Un militaire qui s'exprime sous anonymat dans les colonnes du journal L'œil du Sahel ce jour estime par exemple que tous ces terroristes campés à la force multinationale mixte sont extrêmement dangereux. Ils ont massacré des personnes et tué également plusieurs hommes en tenue, particulièrement des militaires. Ils sont sans pitié envers un militaire. Dès qu'ils attrapent un homme en tenue, il l'égorge en commençant par l'arrière de son cou. Et les populations qui crient aussi leur colère contre ce traitement dit de faveur des désengagés de la secte terroriste Boko Haram. C'est donc à lire en page 3 du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'œil du Sahel, en kiosque ce jour. Le quotidien Infomatin qui reparle des appels au génocide au Cameroun. Journal qui se focalise par l'appel d'un homme, il se nomme Patrice Nganan et se demande pourquoi l'administration Trump est restée muette jusqu'ici à ses appels au génocide lancés contre une ethnie au Cameroun. Les États-Unis justement qui restent attendent depuis lors à l'ouverture de cette affaire. Que se passe-t-il exactement? L'administration américaine qui observe depuis une dizaine de jours un curieux silence à la suite de cet appel à une guerre sans merci contre le pouvoir de Yaoundé en général et à une ethnie en particulier à l'heure depuis hier justement. L'appel clair au génocide de cet homme depuis le sol américain n'a inspiré aucune réaction de la part d'un pays souvent si prompt à appeler au respect des droits de l'homme à travers le monde. Le journal qui se rappelle qu'en début 2019, les parlementaires
américain avait énergiquement condamné le traitement administré au même Ghana interpellé le 6 décembre à l'aéroport international de Douala. Mais comment comprendre aujourd'hui que l'homme lance des appels génocidaires et ne soit pas recadré par le gouvernement américain? La question est posée par le quotidien Infomatin en kiosque aujourd'hui. Le paysan Élite est également en kiosque et nous reparle des remous autour de la production du cacao dans notre pays. Fini les slogans, place à l'action pour booster la production du cacao dans notre pays. C'est un projet porté par le ministère du Commerce. Le Cameroun qui envisage de produire près de 600 000 tonnes de cacao à l'horizon 2020. Une initiative louable. Cependant, il convient de mener une action forte pour favoriser la vente en mettant un accent sur la production de qualité qui ne peut passer que par des bonnes pratiques culturelles, des pratiques culturelles prônées par le journal Le Paysan Élite en kiosque aujourd'hui, qui revient sur ces pratiques et la production cacaoyère d'ailleurs du Cameroun qui gravite autour de 300 000 tonnes métriques à ce jour, un volume inférieur à l'objectif de 600 000 tonnes visé pour 2020. Il est évident que rendu en 2019, écrit le journal, on ne pourra pas atteindre ses objectifs. Il importerait de réajuster ce plan en lui donnant des objectifs beaucoup plus réalistes et peut-être changer d'orientation sans toutefois perdre de vue. On doit augmenter les volumes, mais mettre l'accent beaucoup plus sur la qualité de production nationale. Les paysans Élite qui conseillent pour atteindre ce bel objectif, il importe de mettre sur pied une belle organisation dans laquelle chacun jouera sa partition sans faute note et surtout éviter d'émettre des messages propagandistes politiques, faire appel à des experts, question d'éviter la navigation à vue, comme il est très souvent constaté dans la filière de production du cacao dans notre pays. Le journal parle aussi de ce plan directeur d'industrialisation du Cameroun, une réflexion autour du secteur agricole menée il y a quelques jours à Yaoundé, les orientations stratégiques et les réformes fondamentales du plan directeur d'industrialisation du Cameroun ont fait l'objet d'une rencontre entre le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, les experts de toutes les administrations sectorielles en vue de tabler sur ce document avant sa présentation au premier ministre chef du gouvernement. C'était donc il y a quelques jours à Yaoundé. Et si pour les autorités publiques, l'implémentation du plan directeur d'industrialisation devrait permettre d'augmenter de 11 points la contribution du secteur industriel au produit intérieur brut du Cameroun, l'apportant de 13% actuellement à 24% au moins à l'horizon 2035, le secteur agricole devrait, au regard des métiers qu'il génère, participer au renforcement de la position du Cameroun dans la zone semaine en tant qu'usine de la nouvelle Afrique industrielle à l'horizon 2050. Le pied de une journal Paysan Élite parle de la relance agricole dans la région du sud-ouest Cameroun et justement et au sein des plantations de la plantation CDC, de l'entreprise CDC, pour sa première visite en qualité de ministre de tutelle. Gabriel Mbairobe a exhorté le personnel de la Cameroun Development Corporation ainsi que d'autres agro-industries basées dans le sud-ouest à reprendre le travail en vue de la relance de la productivité. Le ministre est allé toucher du doigt les affres des forces séparatistes qui ont cloué pratiquement l'entreprise à ce jour. Les employés ont pris la poudre et l'escampette de peur de se faire tuer par les combattants des forces séparatistes qui font tous les jours des incursions dans ces plantations. On a beaucoup d'employés qui ont risqué de leur vie. C'est dans cette triste réalité que le chiffre d'affaires de ce mastodonte est passé de plus de 65 milliards à 25 milliards en 2018 avec plus de 18 000 employés en ce moment en chômage. Sur les 22 000 que ces structures emploient au quotidien. Et la paysanne Élite, dans le numéro de Paysan Élite de ce jour, s'appelle André Caroline Mélanie Mbandé, la lionne de la révolution agricole. Ses prouesses sont donc à revisiter en page 2 du journal Le Paysan Élite en kiosque aujourd'hui. On termine avec Afrique Attitude. Afrique Attitude qui parle d'une alliance communautaire pour la paix dans notre pays. La CGN et la communauté Bamoun sont main dans la main pour les bases solides pour construire ensemble un avenir meilleur. C'est la raison d'être de la rencontre de concertation tenue le 6 juillet dernier entre l'association Communauté du Grand Nord du Cameroun et la communauté Bamoun, toutes les deux instances basées
dans le département du Voury se sont donc donné la main pour poser ses bases solides et construire ensemble un avenir meilleur. Le vivre ensemble prôné par ces deux communautés, des images de ces rencontres à voir également dans les colonnes du journal Afrique Attitude en kiosque aujourd'hui, qui nous parle en sa deuxième une de l'élimination des Lions Indomptables du Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations. La deuxième une du journal justement qui parle des coupables et les raisons qui sont connues, les coupables et les raisons qui sont connues justement dans cette élimination des Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. Que s'est-il exactement passé? Qu'est-il arrivé aux Lions Indomptables du Cameroun? Le journal qui essaie un tout petit peu de décrypter la rencontre, de comprendre pourquoi les Lions Indomptables du Cameroun sont sortis à ce niveau de la compétition. Parole également aux experts pour comprendre cette sortie prématurée des Lions Indomptables du Cameroun de cette compétition. Et du sport, toujours au pied de une d'Afrique Attitude, qui nous parle d'un coup de tonnerre dans le département du Noun. Des raisons extrasportives déboutent l'équipe fédérale du Noun des barrages. Le club phare du département du Noun ne prendra pas part au barrage de la région de l'Ouest suite à la demande d'un haut cadre de la Fédération camerounaise de football depuis le Caire que le dit club soit débouté dans son recours introduit au sein de l'instance fêtière du football. Alors, Michael Tukio, peut-être un petit mot à l'échelle internationale. Oui, on va se rendre à l'international, vous l'avez dit Thierry. On va commencer par ces nouvelles sanctions de l'Organisation des Nations Unies contre des Maliens accusés de s'opposer à la paix. La liste des Maliens justement frappés par les sanctions de l'ONU s'allonge dans le pays. 5 nouvelles personnes accusées de s'opposer à la paix ont été identifiées et citées hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies comme les 3 premiers Maliens fichés en décembre dernier. Ils sont interdit de voyage. C'était donc avec le site RFI. On poursuit avec RFI qui nous parle du Nigeria, cette fois-ci avec des heurts entre manifestants chiites et forces de l'ordre à Abuja, la capitale nigériane. Une 40aine de manifestants chiites ont été arrêtés hier à la suite de heurts avec les soldats des forces de sécurité à proximité de l'Assemblée nationale. 2 manifestants seraient morts dans les rangs du mouvement chiite, tandis que la police déplore 2 blessés, des officiers touchés par balle. Et la Mauritanie, toujours avec le journal en ligne RFI et cet opposant, l'opposant Biram Da Abed, qui rencontre des autorités, une délégation officielle conduite par le porte-parole du gouvernement Seyedna Ali Ould Mohamed Kouna, et s'est rendu pour la première fois hier au siège du militant anti-esclavagiste Biram Da Abed pour tenter d'apaiser le climat de tension né de la crise post-électorale dans le pays. Africa News, cette fois-ci, nous parle du Soudan. Le Soudan avec Internet mobile, finalement rétabli 1 mois après une suspension dans le pays. L'Internet mobile a été restauré hier au Soudan suite à une décision judiciaire, plus d'un mois après que les généraux au pouvoir l'ont bloqué sur fond de répression brutale et de contestation. Et on termine par la CPI, la Cour pénale internationale, toujours avec Africa News et cette condamnation de Bosco Ntaganda, son parti qui veut faire appel de la décision de la Cour pénale internationale. Des membres de l'Union des Patriotes UPC, de l'Union des Patriotes Congolais, entendent faire appel de la décision de la Cour pénale internationale qui reconnaît l'ex-chef de guerre de RDC, Bosco Ntaganda, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Merci beaucoup, Michael Tipkio, pour cette revue de presse nationale et internationale. Nous n'aurons malheureusement pas Yaoundé ce matin. Les conditions techniques ne nous le permettent pas. Toutes nos excuses, téléspectateurs chéris. Alors, Michael, à suivre dans le cadre de ce programme, la chronique Regard sur l'actu avec M. Patrick Christian Dobon, qui s'intéresse ce matin à l'énergie électrique au Cameroun, qui tient finalement les rênes de l'énergie électrique au Cameroun. On reparle de la société, de cette société. Et j'ai pu vous assurer que ça va bien vous faire rigoler ce matin. À suivre également notre session sportive avec nos envoyés spéciaux en Égypte, Yves Tchababé et André Mirabeau-Mahop. Nous aurons le point sur les rencontres de ce jour, Sénégal-Bénin, oulala, et Nigeria-Afrique du Sud, match comptant évidemment pour les quarts de finale de la compétition. Geomatrix sera là, chouchou, pour la page culturelle. Bien sûr, et pour ce qui est ma chanson du cœur ce matin, Makatukio, nous avons 2 propositions. La première,
première, c'est Kengo de Foix pour le titre La Vraie Bagie. La deuxième proposition, 3500 de Sieur Bruno. Saint-Bruno. Saint-Bruno. Je suis partagé. Hein. La vraie magie, c'est le travail. Comment tu t'appelles, oui. 3500 tu t'appelles, toi. Moi, je vais choisir Saint-Bruno. Hein. Ah oui? Je vais choisir Saint-Bruno. Pourquoi? Le caractère satirique, je vais dire ça comme ça, ouais, de la chanson. Oui. Ouais, c'est très amusant. Parfois, quand vous écoutez la chanson, je crois que c'est simplement pour ça que je vais faire le choix de ce matin. C'est un peu d'humour aussi. Voilà. Mais au-delà de l'humour, il y a quand même un message en fond. Un peu de réalité aussi, oui. Un message qui est passé justement dans la chanson. Oui. Malheureusement. Oui, c'est la raison pour laquelle je ne veux pas m'étendre davantage, mais je fais le choix. D'accord. Alors, beaucoup de gens, pour cette chanson de Saint-Bruno, Chouchou, beaucoup de personnes se sont vraiment rétablies sur le côté humour, sur l'ironie du truc. Mais tout juste derrière, il faut quand même noter qu'en fond, il décrit quelque chose de malheureux. Ouais. Ça fait des années que cette chanson a vu le jour. Ça fait quoi? Ça fait, nous sommes en 2019, là, ça va faire 12 ans, presque, 12 ans. Ouais. Parce que c'était fin 2007, je pense. Ouais. Alors, ça fait 12 ans. Et en 2019, on a les mêmes problèmes, évidemment, qu'en 2007. Avant même que la chanson ne sorte, on avait déjà ces problèmes. On avait déjà ces problèmes-là. C'est plus vieux que le monde. Et on a l'impression qu'il s'empire, d'ailleurs, aujourd'hui. Ouais, ah, ça s'empire, ça s'empire, sincèrement. Parce que dans tous les coins d'aujourd'hui, vous les... Bon, c'est pour ça qu'il faut faire des chansons qui dépassent, qui traversent les années. Hein. Mmh. On ne peut pas avoir des succès, des succès commerciaux. C'est un succès éphémère. Oui, commerciaux. Pour quelques mois, deux, trois mois, pour l'été, comme sous d'autres cieux. Et après, on vous oublie. Le tube de la saison des pluies. Il faut avoir des chansons qui marquent les générations. Donc, il faut éviter l'effet des chansons, les tubes de la saison sèche ou encore les tubes de la saison de pluie. Ouais. Après, chacun a son créneau aussi. Hein. Mm. N'est-ce pas, Michael Tikio? Absolument, Soflane. Et si vous me permettez, s'il vous plaît. Je connais un monsieur qui aime la chanson également. Il s'appelle Hervé Esso. Mm-hmm. Il nous regarde de Yaoundé. C'est son jour d'anniversaire aujourd'hui. Oh là là. Je lui souhaite un joyeux anniversaire. Il s'appelle comment? Hervé Esso. On chante pour Hervé Esso? On chante pour tous ceux qui en ont le plus aujourd'hui. Voilà, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées lundi. Joyeux anniversaire. Hervé Esso, on attend le gâteau. Je ne sais pas ce qui se passe à la réalisation. Ah d'accord, on nous rappelle qu'on doit valider la page pub. Sans ça, clic du service commercial.